Christelle passe la porte du centre caribéen de la drépanocytose, presque comme si elle rentrait chez elle. Une deuxième maison, elle le dit elle-même, la dynamique jeune femme fréquente les lieux depuis longtemps. Le diagnostic de la maladie a été posé à l'âge de 6 ans. Je suis consciente dans chaque acte que je fais qu'une crise peut survenir. Vous l'avez accepté ou des fois vous trouvez ça encore injuste ? Dans les moments de douleur, c'est difficile. Elle nous a confié que certains de ses collègues qui avaient eu le chikungunya la comprenaient mieux désormais. Bien que nous ne puissions prétendre à l'autosuffisance alimentaire régionale dans un contexte mondial de banque d'échange des produits agricoles, le mouvement KBM défend le concept de la souveraineté alimentaire. Stand et discours à l'appui, à Mornalo, il conteste la libéralisation du commerce international des produits alimentaires. Des visiteurs qui considèrent donc qu'il y a une valeur ajoutée aux produits agro-transformés sur place, ils accréditent l'idéologie de la souveraineté alimentaire prônée par le mouvement KBM. 10h du matin, le moment de se plier aux formalités d'embarquement pour les centaines de passagers qui vont s'envoler pour les Antilles. Dans l'aérogare, aucune information concernant l'épidémie de chikungunya, pas un tract, pas une affiche. Mais c'est sûr, les voyageurs doivent être bien mieux renseignés. Pas du tout, aucune information à ce sujet. C'est la première fois que le virus est introduit dans les îles Martinique, Guadeloupe. Et donc le risque, c'est effectivement qu'une grande majorité de la population acquiert cette pathologie. Une banderole pour fermer symboliquement l'accès à la communauté de l'agglomération du Sud-Basse-Terre. La mobilisation du comité des usagers de l'eau visait cette fois à sensibiliser les élus sur les problèmes touchant cette ressource indispensable à la population et à l'économie de notre île. Capacité à distribuer de l'eau à droite et à gauche, tout partout dans le monde, et mon capacité à problème à l'eau. Une rencontre a eu lieu avec la présidente de la communauté d'agglomération du Sud-Basse-Terre. Cette dernière a pris note des inquiétudes du comité des usagers de l'eau qui, pour elle, sont tout à fait fondées. Des océans d'or bleu en outre-mer, mais aussi des milliers de kilomètres carrés de forêts tropicales. Pour protéger la biodiversité, un projet de loi avec la création d'une agence française de la biodiversité, mais surtout des barrières contre le pillage des ressources naturelles. Le texte prévoit un accès réglementé aux ressources génétiques. Mais pour certains juristes et certains écologistes, c'est la porte ouverte aux multinationales ou aux géants de l'industrie. Mais d'une même voix, écologistes, experts et élus exigent plus de pouvoir pour décider du partage de leurs richesses. Les policiers ont intégré cette brigade volontairement en quête souvent de nouveaux défis. Chaque jour, ils seront environ 8 sur un effectif de 12 fonctionnaires de la police nationale à VTT à arpenter les rues pointoises. Direction l'artère la plus commerçante et la plus fréquentée du centre-ville, la rue Frébault. Pointe-à-Pitre et sa circulation souvent difficile, le vélo le meilleur moyen d'intervention rapide. Cette carte de visite, les policiers l'ont remise à tous les commerçants ou presque avant de commencer à patrouiller à deux roues. Dorénavant, les délinquants devront compter avec nous. On pourrait se croire sur un terrain de foot. L'étendue d'algues sargasses se déplaçant au gré du courant est impressionnante. De mémoire, un radeau d'algues de cette importance n'avait jamais été observé à proximité des côtes de Basse-Terre. Est-ce qu'elles viennent du golfe du Mexique, les courants les ont ramenées par le sud, ce qui semble peu probable. D'autres hypothèses émises très récemment dans une publication scientifique dit qu'il y a des zones de création de ces algues, en tout cas, où elles se développent en quantité importante, au large de l'Amérique centrale. C'est le seul moment où on adore réellement le drapeau français. Et voilà, c'est le sport et c'est merveilleux, c'est tout ce qu'on demande, le football. Il n'est pas fini! Il n'est pas fini! On est super content de la France à gagner! Ça va chauffer, ça fait que commencer. Gospel et de la variété au centre commercial de Matoury. Du reggae au rond-point de Mirza et de l'électro au centre de Cayenne. Il y en avait pour tous les goûts et pourtant,
La fête de la musique 2014 n'a pas vraiment fédéré. Les rues de Cayenne étaient bien vides et le public peu nombreux, malgré la programmation variée. Depuis le début de la Coupe du Monde, Guyane Première a lancé sa propre application multimédia. Gratuite et simple d'utilisation, l'appli La Première permet de suivre en direct les programmes radio et télé, tout en consultant le fil info. Il est aussi possible d'écouter la radio et de lire les news des autres stations d'outre-mer, mais la géolocalisation ne permet pas de regarder toutes les télés en direct. L'application La Première permettra aux plus discrets de suivre les matchs de foot n'importe où. De manière unanime, les conseillers régionaux ont donné un avis favorable au projet de décret du gouvernement portant création de l'Université de Guyane. Le projet de décret ne fait aucune référence à la coopération transfrontalière. C'est comme si l'Université de Guyane n'aurait aucun lien avec ses voisins brésiliens, surinamiens et guyaniens. Nous allons intégrer, demander à ce que soit intégré au décret, eh bien, cette dimension de coopération transfrontalière qui est fondamentale à la fois pour les étudiants, mais aussi pour le contenu des formations même. Un voyage culinaire au pays des saveurs créoles, où groupes folkloriques et pâtisseries sont là pour révéler le gourmand qui est ton fou. C'est le premier jour de ce festival consacré aux saveurs de Guyane. C'est l'occasion de montrer que la cohésion en Guyane, elle est importante parce que nous avons une population multiple et nous avons une très belle histoire et des richesses surtout à valoriser et à partager. Des conférences, des dégustations. Pour les gourmands et les gourmets, c'est l'occasion de savourer la cuisine guyanaise dans toute sa diversité. C'est tout au début des années 2000 que Bernard Lama, ancien gardien de l'équipe de France de football et du Paris Saint-Germain, a imaginé la production d'eau en Guyane. Fin novembre 2012, les premières bouteilles d'Ilo ont débarqué dans les commerces du département après des années d'attente et d'obstacles. Il n'y a pas de transformation, on n'agit pas sur l'eau. Elle est embouteillée pratiquement comme elle est sortie du sol. Et donc là, elle est là, elle est excellente, elle est très fraîche. 8h ce matin, il était là, le quart de la Croix-Rouge, au marché central de Cayenne, et le monde défilait dans la discrétion qui entoure le VIH-Sida et son dépistage. On constate une certaine réticence, mais bon, le travail continue, on essaie vraiment de sensibiliser les gens de façon à ce qu'ils se prennent en main. Et la rapidité de ce test a au moins l'avantage de toucher plus de monde en amenant plus spontanément au dépistage du VIH. La Poulard Fair, une édition internationale où les artistes locaux peuvent se confronter à la production étrangère internationale. Le salon en soi est une forme d'exposition qui crée une dynamique exceptionnelle. Et c'est cette dynamique que je voulais amener ici, de façon à ce que l'art continue à se développer et surtout que l'ensemble des artistes de chez nous, qui ont tellement de talent, qui ont tellement de bonne volonté, puissent trouver un écho. Le spectre de la mort touristique plane sur le parc hôtelier. En cause, la chute brutale de leurs résidents entre juin et novembre, moins 60%, période souvent fatale. Pour survivre, pas d'autre choix. Il faut séduire la clientèle locale. La spécialité de cette résidence de vacances, elle leur propose même un produit spécifique. Mais il reste encore beaucoup à faire. En 2013, les Martiniquais n'ont représenté que 20% de la clientèle touristique totale. Vive la banane ! Bonne Martinique ! Ce soir-là, buffet créole, avec en vedette, vous l'aurez compris, la banane de Guadeloupe et de Martinique. Dans les Antilles, la banane, c'est pas forcément un dessert, c'est pas forcément un fruit, ça peut être aussi un légume, on le cuisine. Eh ben, nous, on le sait pas forcément. Et moi, j'ai voulu montrer qu'un tartare avec pimenté, avec un peu une sauce que vous avez, la sauce chien, un peu revisitée, mais quand même, ça peut se manger avec une dorade en marinade ou avec un filet de poisson fumé. Pour certains, la baignade ne s'est pas passée comme prévu. J'étais à Lancefillier et il y avait des petites méduses qui avaient l'air assez inoffensives. Et en fait, c'est en sortant, après, j'ai vu que j'avais des petites piqûres. C'est désagréable. Hier, les pompiers ont porté secours à 7 personnes touchées par des piqûres de méduses. 4 ont dû être acheminées par hélicoptère au CHU.
Mais lorsqu'une méduse pique une personne, il y a des filaments toxiques qui se nichent dans la peau et ces filaments dégagent du poison en continu. Antoine plonge régulièrement dans ces eaux. Il évite soigneusement les rochers, habitat privilégié des poissons lions. S'il ne s'est pas fait piquer, il reste sur ses gardes. Mais on voit beaucoup de poissons lions dans ces eaux. Ouais. Il y en a de plus en plus, je trouve. Le risque n'est pas vraiment élevé pour les simples baigneurs. Le poisson approche rarement le rivage. Eux, au contraire, tombent souvent nez à nez avec des poissons lions. Ces pêcheurs font parfois de mauvaises rencontres avec la rascasse. Les souvenirs sont en général douloureux. La meilleure façon de s'en débarrasser, c'est encore de les manger. Voitures de luxe, plusieurs deux roues, bateaux flambant neufs, des biens qui démontrent le train de vie que menait la bande. Un quotidien faste, alors que la plupart des présumés sont sans emploi. De quoi alerter les enquêteurs. L'ensemble de la saisie est estimé à plus de 425 000 euros. L'enquête est ouverte depuis novembre 2013. C'est un travail collectif entre plusieurs services qui a permis le démantèlement de ce réseau. On reste dans la mouvance de toute cette chaîne de violences graves et importantes commises en Martinique. Le bel air, c'est plus qu'une danse. C'est un état d'esprit, un mode de vie, un maillage identitaire partagé par des centaines de Martiniquais. Il n'y a pas d'âge pour le bel air. Pitié qu'on grimpe et entre dans la ronde. Petits et grands peuvent y participer. Chaque personne a sa manière de danser. Chaque personne, tu fais les pas qu'on t'apprend et après tu mets ton style à toi dedans. Un festival de bel air avec une soirée bel air.